je voyais tellement votre esprit familial, les enfants. Mm-hmm. Pour vous, il y avait une priorité de lieu d'environnement des enfants. Dans la transaction, pourquoi tu étais stressée? I was there. J'étais là, c'était pas le problème. Peut-être le décalage entre l'achat et la vente. Le spin. Ouais. Parce qu'on s'est décidé juste avant de vendre. Complet cette maison, un coup de cœur d'ailleurs. Ah oui, mais je ne savais pas encore. Non. Toi, tu l'avais spoté la maison que tu as. Ben, il me l'avait spoté en premier. Ah oui? J'étais pas intéressée. Tu l'avais spoté, pas intéressée. Non, non, on est revenu. Puis on était chanceux qu'elle était toujours là. Ouais. Mais ça, j'étais pas au courant de la maison. Non. 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 Fait qu'on a mis en vente. Le plan initial, quand on est sorti d'ici, tu nous as dit, écoute, allez visiter. Oui, allez regarder. Trouvez votre maison. Trouvez votre maison, trouvez vos propriétés, trouvez le truc, le coup de cœur que vous allez avoir. Et par la suite, on va échanger. Ouais, mais j'avais dit une chose. Je vous avais tout de suite enligné dans votre quartier. Je voyais tellement votre esprit familial, les enfants. Mm-hmm. Pour vous, il y avait une priorité de lieu d'environnement des enfants. Tu n'arrêtais pas de le dire. J'arrêtais. Je disais. Je disais, mais pourquoi il veut qu'on aille là? Honnêtement, j'ai quasiment pris la décision pour vous. Vous allez arrêter là. Oui. Non, ton analyse de. Tu sais, c'est dans le jargon de la vente, c'est la découverte de besoins du client. Tu avais fait un bon profiling. Mais au début, moi, je ne le voyais pas. Puis c'était pas. Mais tu ne connaissais pas ce secret-là. Non, je ne connaissais pas. Toi non plus. Non. Nous sortons un autre qu'on voulait. Là, tu nous as dit, va à gauche. Ouais.